Bonjour à tous, bienvenue pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on se retrouve sur Farming Simulator 19 sur notre série Partir de zéro. Donc, comme vous voyez la map ou le bâtiment que vous voyez ici, je pense que ça vous en doutez. Oula, il y a une fusée. Vous avez peut-être dû vous en douter. Alors, je vous dis ça parce que je ne sais pas si le tuto va sortir avant cette vidéo ou après. Donc, on est à l'épisode 16, hein. Donc voilà, j'avais fait un tuto comment modifier un véhicule, etc. Donc je sais pas s'il va sortir avant ou après, mais s'il est sorti avant, ben bonne pioche pour ceux qui ont deviné à quoi allait servir cette série, allait servir cette map, d'accord. Donc voilà, sinon s'il est sorti après, ben voilà, on a changé de map, hein, comme vous vous souvenez de la vidéo. On avait, alors désolé pour le bruit du passage du train, d'accord, ça va faire du bruit. Donc voilà, on a changé de map. Sur l'autre, je n'ai pas compris pourquoi on lag, et pourtant, même moi en solo, sur ma partie perso, j'ai des véhicules, des machins, du matériel, et je bouge pas d'un poil, hein, et pourtant c'est une map aussi un petit peu style française. Voilà. Donc on est sur la map. Sur la map, est-ce qu'elle a un nom? Ah oui, merci, je mets la touche 0. Elle a un nom? Non, elle n'a pas de nom pour l'instant. Donc vous voyez, on a 126 000. Donc je vais vous expliquer pourquoi on a 126 000. Et vous allez voir pourquoi j'ai le Renault en miniature, le classe en miniature. Et j'ai oublié un truc aussi. Je suis sûr que vous avez dû remarquer qu'il n'y a pas de Ben, qu'il n'y a pas le 4x4. Je vais vous montrer. Pourquoi je fais ça? Mais non, mais c'est pas ça, c'est pas ça, c'est pas ça. C'est échappe. Je retourne sur mon bureau. Hein, pour... Alors, on est sur la map. Elle a un nom, Midland ou un truc comme ça. Je peux pas vous dire, mais c'est un truc Midland pour ceux qui connaissent. Donc voilà le PDA de la map, d'accord. Donc je vais vous expliquer ce que j'ai fait. Comme j'avais modifié donc les trois modes, bah, les deux modes que vous avez vus. Ah oui, donc désolé pour les messages. Et le mode donc le classe et le Renault. Et comme vous avez vu dans la vue, pour ceux si la vidéo est sortie avant, je ne pouvais pas démarrer. C'est-à-dire que j'avais fait les modifs, elle se voyait, mais on ne pouvait pas modifier, d'accord? Donc du coup, ce que j'ai fait, c'est que moi, je m'occupais de la modif moi-même en off. Bah, je me débrouillais comment, pourquoi ça ne marche pas, etc. Merci le train de passer. Et du coup, j'avais pris les modes d'origine. Donc j'ai repris les modes d'origine. Donc on a toujours le Renault qui est là-bas. Là c'est en préparation. Donc tout le matos est revenu. Sauf qu'il reste le 4x4 qui n'est que... En fait j'ai oublié d'activer le mode de la benne. Donc la d'Ingreville. Et le mode de la... Le mode du 4x4. Donc le Dodge Ram. Donc voilà. Donc ce que j'ai fait pendant le off. Comme j'avais plus de gros tracteur. J'ai loué le... Oula, le classe. 446, alors il fait 250 chevaux, mais il fait 275 sur fiche technique, hein, si vous regardez bien, c'est pour ça que je vais le modifier lui aussi. Mais pour l'instant, tant que ça démarre pas, tant que je peux pas démarrer les véhicules avec les modifs que j'ai fait, ben moi je vais voir, je vais garder des trucs d'origine et voilà, j'ai juste fait copier-coller les modes, hein. C'est tout, ça m'a remplacé les modes. Et donc du coup, il y a du matériel qui va être remplacé aussi, hein, donc on aura le Renault, sauf qu'il coûte plus de 130 000 euros. Voilà, ça coûte, hein, ça coûte cher. Donc, déjà d'une, je vais vous expliquer. Hop, on va zoomer, on va zoomer. Alors, vous avez le off, off 2, off 3, off 1 et off 4. Et ah, il y a off 5, j'ai pas vu. Donc, je vais aller voir off 5 avec vous. Je sais pas si c'est grand aussi. Parce que j'avais pas vu l'autre fois. Alors, si ça peut. Voilà, il est où? Il est derrière. Voilà. Ah oui. Voilà. Ouais. Alors, en fait, c'est des zones qu'on peut acheter. D'accord. Alors, normalement, il y a des bâtiments dessus, mais comme on est dans notre cheat, on n'a pas des bâtiments. Alors, vous allez dire dans les commentaires lequel vous voulez. Alors, j'avais plusieurs solutions. J'avais deux solutions, donc J. J'avais plusieurs solutions, d'accord. Sachant, lui, il vaut combien? On va regarder ensemble. Il vaut un peu plus cher. Donc voilà. Sauf qu'on a 124 000.
Alors, faut savoir que sur l'ancienne, sur l'autre map, on avait le plafond était passé. Le plafond de 500 000, ben, était bloqué. Hein. Dès qu'on est arrivé à 500 000, ben, on était bloqué. Et donc du coup, j'ai regardé un petit peu les prix, je me suis renseigné. Donc lui, il a deux entrées. Ben, il a une entrée, une sortie, ou deux entrées, deux sorties, d'accord. Lui, il n'en a qu'une entrée. Une entrée, une sortie, pareil pour celui-là. Et sachant qu'il fait la même taille que celui-là, d'accord. Lui aussi fait une entrée, on a vu. Lui fait une entrée. J'ai regardé un. Celui-là, je vais vous montrer. Donc celui-là, il fait 34 000, peut-être pile dans le budget. Celui-là, il fait un petit peu plus cher. D'accord. Celui-là, il nous fait un petit peu moins cher, mais ils sont petits, hein, donc lui aussi. Et celui-là, j'ai regardé, il fait 94 000. Hein. Ça coûte quand même des plombs. Donc il faut acheter des zones avant d'acheter les véhicules. Bon, pour l'instant, il est en location, hein, le classe. Donc ce que j'ai fait en off, j'ai fini la moisson d'orge. Donc c'est pour ça qu'on a 120 000, j'ai dû faire presque 30 000 de bénéfices. Et puis c'est tout, j'ai pas récolté le restant de la paille parce qu'il n'y avait rien à vendre, j'ai juste vendu l'orge et puis c'est tout. Donc voilà, alors il y aura des trucs qui vont être changés aussi, des outils qui vont être changés, d'accord. Alors, donc déjà ça. Donc dans les commentaires, dites-moi quelle zone vous voulez que j'achète. Alors faut savoir qu'on aura élevage et céréalier. D'accord, une ferme céréalière et une ferme d'élevage, d'accord. Soit on en prend une pour faire les deux, d'accord. Donc ce sera plutôt les plus grandes, donc celle-ci et celle-ci, parce qu'on va faire que l'élevage pour l'instant, puis on verra. Ou désolé, un champ allumé. Ou on fait séparément, ça veut dire qu'on fait sur une des zones, on fait céréalière et on fait un autre site, un autre endroit, on achète un autre site, et on reconstruit et on fera de l'élevage, d'accord? Il faut savoir qu'en banque, normalement, on avait atteint les 500 000 de plafond, d'accord? Mais vu comme j'ai tout modifié et tout, etc. On peut continuer. Alors, je vais voir combien. Alors, peut-être pas acheter le Renault, parce que je sais pas combien on peut avoir. Combien on peut avoir d'argent en poche? Ça dépend les maps, hein, les gens. Des fois, ce que la banque nous prête, ça dépend de la map. Pourtant, on est en difficile. Hein. Désolé des sons. Ça, c'est une erreur de ma page, j'ai oublié de me mettre en ne pas déranger. Oula, on peut emprunter où? Après ça fait trop cher. Attends, on peut emprunter cher ou? Là c'est un peu cheaté là donc. Hop, là on a 400 000. Peut-être un 500 000. Ah non. On peut emprunter 900 et 940 000. On va tout rembourser. Enfin, on va rembourser le restant, ce que j'ai besoin. Ça va nous servir peut-être pour financer un petit peu la ferme, on verra bien. Donc on est quand même pas mal en budget. Hein. Donc la vidéo, je sais pas quand elle va, combien de temps elle va sortir, combien de minutes elle fera. Donc voilà. De toute façon, on va faire tout en vidéo. On va déjà s'acheter un champ qui est en cours de croissance. J'ai regardé un petit peu les prix des champs, sont un peu élevés. Il y en a un, le plus grand. Fait 600 000 euros, plus de 600 000 euros, 700 je crois. Et merde, voilà, on avait ça. Voilà, donc je vais me TP sur dans un véhicule. Voilà, donc on a tout récupéré hein, comme matos, sauf les deux modes que je n'ai pas. J'ai oublié comme un boulet. De activer donc la remorque et le 4x4. Voilà ce qu'on va faire. On va retourner. Bon, sauvegarde, merci. Ça fait combien de minutes de vidéo? Dis-moi. Ah, bah oui, j'ai pas mis le truc. Ah bah, je suis comme un boulet. Bon, on va dire 7 minutes. Voilà, alors.
champs. Donc on va s'acheter, parce que j'ai regardé un petit peu les prix des champs. Le plus grand, vous voyez, voilà, il fait 700 000. Après, les champs que j'ai regardé qui sont pas trop chers là, le problème c'est qu'ils ont du, pas du colza, ils ont du comment ça s'appelle, ils ont peut-être de, ils ont des patates, des trucs comme ça, et je vais pas louer une machine à patates ou à betteraves pour juste ça. Il y a même les champs d'herbe qu'on peut acheter là, je vois. Il n'y a pas beaucoup aussi. Bon, il y a beaucoup de champs d'herbe. De toute façon, on verra pour plus tard. On va déjà s'acheter le champ 5 parce que c'est du colza. Oui. Voilà. Après, il y a celui-là, mais celui-là, je crois que c'est du coton. Donc voilà, déjà 40 000. Il est où le trigger de vente? Donc voilà. Donc le classe, on va le garder. On va le garder. Nickel. Il est ici, d'accord. Donc on a tout ramené. Il y aura des trucs. Peut-être qu'il y aura un autre site pour stocker le matériel qu'on n'utilise pas trop. Alors on va commencer par ça. Allez, hop. Plouf, 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 plouf. Oui. Donc voilà l'intérieur. Hein. Il est. Alors, si tu veux bien me laisser l'intérieur aussi, voilà. Bon, il faut qu'il charge un petit peu le truc. Donc vous voyez, c'est le même que le Renault, hein, sauf c'est un classe, et qu'il a que 261 chevaux. Alors même vue intérieure et tout. Merci le train. Voilà, donc dites-moi dans les commentaires quelle ferme vous voulez pour l'instant. Si je vois qu'il n'y a aucune réponse, je prendrai moi-même la décision, mais je pense que comme promis, je sais quel champ moi je vais acheter. Alors on a le manuel attaching. Alors attends, bah, c'est bien celui-là. Hop là. Bon, si tu me laisses passer la faucheuse, voilà. Donc vous voyez, manuel attaching, bim. Alors le problème c'est si j'appuie sur K, ah si. Alors j'ai dû appuyer sur une touche, c'est bizarre parce que le cas des fois il touche pas. Mais bon. Après c'était un mode qui fait conflit aussi. Donc voilà. Oh la freine. Donc c'est des beaux véhicules ça. Ça c'est un style de moyen. Tout en ayant gros. Voilà. Non. G. Alors peut-être qu'il y avait un mode qui fait des conflits. Alors attends. Voilà. Ah, peut-être qu'il y aura un autre champ, vous allez voir. Pour l'instant, on n'a pas d'argent, mais vous allez voir. Alors, je vois un truc. Donc lui, il va dégager, mais on va prendre le même Samson. Ah, vous voyez? Ah, je peux pas. Ah oui, c'est normal. Ah, mais d'accord. Si j'appuie sur pour accélérer, je peux pas. Mais si j'appuie sans accélérer, oui, d'accord. Allez, ok. D'accord, le gars, ouais. Le plateau, j'en sais rien. Si on lui, on va le garder. Lui, il va être changé. Donc lui, on aura le même Samson, mais en une essieu, parce que ce sera le petit tracteur. Vous en verrez d'autres des véhicules, hein, ne vous inquiétez pas. Et normalement, il y a 7 tonnes ici. Ah oui, il faut descendre. Hop, et W normalement, non c'est X. Voilà. Bon, il n'y a pas celui-là où on pouvait pas, comment dire. On n'a pas celui-là qui affichait pas les points là. Dès qu'il sera, voilà. Normalement, je crois que c'est I, je sais plus. J'ai une touche pour le drive control. Une sorte de drive control. Je crois que j'ai pas dû l'activer. Donc X. Voilà. Donc pour l'instant, il ne m'a pas trop servi. Il m'a servi quoi 40 minutes, juste le temps de faire mon champ dans ce tracteur. Et là, il va faire juste pour le déplacement. Bon, il coûte cher quand même à la loc, évidemment. Et si vous voulez avoir un véhicule, je vais vous montrer qu'on peut faire de l'argent. R. Voilà. Ouais, lui, il a fait. Ouais, voilà, il réparait si tu veux pour 13 euros. Et on va le vendre. Voilà, donc ça c'est vendu.
P, on va aller dans étendeur. Je crois que j'ai loupé étendeur. Voilà, épandeur à fumée, c'est là. Qu'est-ce qu'on a? Voilà. Donc je prends celui-là pour l'instant. Et j'ai des modes épandeur. Donc j'ai la lebouche, j'ai la pichon. Ça, on les prendra plus tard, on verra. J'ai pas pris la Sodimac, la pichon non plus. Bah ça, c'est des modes que j'ai pas utilisé encore. Même celle-ci. Celle-ci, j'ai juste acheté, c'est tout, je crois. Pareil pour la Sodimac, mais jamais utilisé. Donc voilà. Donc sur 12 mètres, l'autre elle devait prendre plus, mais j'ai bien envie d'utiliser un petit peu le truc de base au début. Elle nous fera moins cher, on va gagner 30 000 euros. Capacité ouest. Ouais. Ouais, c'est les rampes. Donc on va l'acheter. C'est bon. Là ça fait mal, voilà. Voilà, 52 000 au cul. Allez où? Ah bah elle a pris la place de l'autre, c'est bon. Voilà. La tonne. On va. Ceci, je l'avais pas utilisé. Alors, parce qu'elle, elle a quoi? Elle a un disque, je crois. Ah, mais oui, c'est vrai que si j'enlève pas l'accéléré, le. La vie. Voilà. Oui, c'est pour. Ouais. De toute façon, on fera l'épandeur à fumier pour tout ce qui est champ. Voilà, ça marche. Hein. Là, il y a 5 heures. Vous voyez sur la petite interface. Oups, recule. Voilà. Voilà. Donc là, on va pas faire le champ de colza, mais on l'aura acheté au moins. Donc voilà, il est en pneu. Il est en pneu large avec peu masse. Ah, des fois il faut descendre pour avoir le point, voilà. Descendre hein, du. La tonne, je vais même prendre son enfouisseur avec. Ça s'appelle un enfouisseur pour ceux qui veulent savoir. Oui, vous voyez attaché. Vous voyez ici là. Oui, attaché un Renault, une cuve avec sa masse, plus son chargeur et tout. Et accroché derrière, il y a la mélangeuse. Oui, je suis un petit peu débile, mais bon, il va tirer ça, vous inquiétez pas, il l'a fait, je crois, une fois. Je crois que je suis bien en face, pas trop en face, mais. Ouais, parce que là, il faut que je l'attache moi-même. Voilà. Donc, il est bien, mais pour enfuir, c'est tout. Alors ce que je vais faire, c'est je vais faire demi-tour. Peut-être qu'on achètera un autre champ, mais pour l'instant, on a d'autres trucs à acheter. Donc là, on va se rembourser un petit peu le champ, force. Alors, je vous conseille de prendre des véhicules un petit peu moyens et pas prendre des trois essieux hein, en termes de véhicules. Que vous voyez, ça passe juste. Hein. Même, alors, le train, les signalisations ne fonctionnent pas. Alors regardez bien avant de traverser aux voies ferrées, hein, parce que le train il passe. Hein. Voilà. Alors pour ce qui est la customisation des terrains, donc les terrains plats, j'aurais dû reculer en marche arrière. Voilà, ce qui passe, lui s'en fout. Hein. Pour ceux qui jouent sur cette map, c'est une map que je vous conseille. Hein. Elle est sur le modem, hein, si vous voulez savoir. Bon, pour l'instant, j'ai pas regardé si c'est une mise à jour. Ah oui. Ce que je vais faire, bon, c'est un petit peu. Voilà. Tac, tac. C'est qu'elle, je vais la dégager moi-même. Voilà. Comme ça, j'ai plus de place pour manœuvrer. Oui, c'est pas RP les gens, mais on essaiera de faire plus RP la prochaine fois. Mais là, c'est que comme les véhicules sont spawn comme ça,
Un matos à spawn comme ça, je veux dire, parce que c'est le matos, c'est pas le véhicule. Alors est-ce que je vais passer avec le timon de la machine? Ouais. Non, ça l'emmène. Allez, toi, tu vas y dégager aussi. Voilà. Bon, il n'y a plus de place. Bon. Ah oui, c'est en mode Tetris, hein. En mode reculage, mais comme je vais déjà détacher en premier, non, braque. Est-ce que ça prend? Non, ça prend pas la machine. Donc lui, le télescope, on va le laisser là, le pas télescope, le Manitou. Hop, ah baby, X. Ouais, bon, on va le détacher. J'espère que ça va pas reconnaître la tonne. Réparer pour 1 euro. Et on le vend 8 000. Bim. Voilà. 8 000. Lag. Ah ouf. Oui. Ça fait mal. On va prendre. Là, c'est les véhicules de base. Les, pas les véhicules, mais je veux dire, c'est du matos de base à peu près à 80%. Le reste, c'est des mods. Voilà. Pour l'instant, le matos, lui, va rester ici. Ben, la plupart du matos va rester ici tant que j'ai pas votre réponse. Si j'ai pas de réponse avant que je fasse l'épisode 17, parce qu'on est l'épisode 16, et ben c'est moi qui regardera moi et c'est moi qui regardera les trucs. Alors, c'est moi qui prendra la décision. Ouais, j'ai pas, non. Bah, ça fait rien. Ben non, je suis con, c'est elle. Désolé, hein. Donc voilà. Donc là, on va acheter juste 2-3 trucs. Et puis, on va juste acheter ça. On va juste se laisser là. Oula, oula. Et ouf. Oui, parce que j'ai changé le garage. Hein. J'en avais marre de celui-là. Donc, on va prendre la Joskin. En occurrence, en Trevor. En occurrence, en Trevor. Allez, hop. Acheter pour 62 000 euros. Ça nous rembourse à peu près pas mal de matos. Hein. Ouf. Celle-ci, elle a fait mal. Ce que je vais faire, je vais reprendre mon combiné. Alors, c'est bien avec le manuel attaching. Bon, je peux passer là. C'est bien avec le manuel attaching. C'est que vous pouvez. C'est que vous pouvez choisir soit de faire les deux, ça veut dire que vous pouvez détacher directement sans avoir le mode, comme si vous n'avez pas eu le mode. Voilà. Et là, ce qu'on va faire, normalement, j'ai une touche. Bon, ceci. Voilà. Voilà. C'est-à-dire que vous pouvez détacher quand vous êtes à l'intérieur du tracteur et faire RP, sortir et détacher. Ou choisir juste l'intérieur, donc détacher sans descendre, ou descendre comme là. Je crois que c'est tout en termes de matos de changement. J'espère qu'il y aura de la place, parce que là je vais mettre. Là on va acheter la benne. Et après on va la benne, la benne, la benne. Qu'est-ce qu'on a en benne? Je vais pas prendre des bennes trop chères non plus. Moi j'ai bien envie de partir sur 14 tonnes, jusqu'à 30 000 litres. Ouais. Partir sur une des essieux. Ouais. Deux essieux machin, et là il y a quoi? Attendez, non, c'est tout. Ceci, il y a des heures, mais il y a que trois essieux. Attendez, si c'est trois essieux, ça va être un petit peu problème. Désolé si vous entendez du bruit.
en Dépêche-toi jeu. Et on va se racheter le 4x4. Ouais. On va pas choisir. Ouais, il y a un gros machin. Sans bavette. Ben, il doit pas avoir de. Ouais. Alors, un petit bug, ils disent bleu, mais c'est gris. Alors, ce qu'on va faire. Ce qu'on va faire, on va partir. On va partir sur les deux essieux. Ouais, on va partir sur les deux essieux, le bouche. Le. Est-ce qu'elle, elle a quoi? Ah, mais elle aura plus d'options. Ah oui, non, c'est le retour. Ah oui, on va choisir blanc, oui, c'est vrai qu'elle. Moi, je vais la prendre. Voilà. Bon, elle fait 18 tonnes, hein, mais. C'est pour la map. 24 avec les ridelles. 24. On va voir si ça passe. Sans garde-boue. Je vais les prendre avec. Châssis bleu. Je vais prendre un châssis noir. Pneu Trelleborg. On va le mettre en pneu Michelin. Avec les bavettes. Et voilà. Donc, ça, c'est acheté pour 30 000 euros. C'est pas grave. Je me mettrai pas l'argent de la. De la remorque de la d'Angreville, parce que là je l'avais désactivé, et là avant de commencer la vidéo j'ai réactivé les modes, les deux modes que je n'avais pas, donc le 4x4 de Durin quand j'ai changé de map, et le comment s'appelle la d'Angreville. Vous voyez, le dos de Durin, il est réapparu, 30 000 euros. Peut-être qu'on rajoutera un petit peu plus d'emprunt. Ouais, j'adore comme il roule. Alors, on avait dit. On va se leur mettre un petit gris très joli. Pneu. Non, intérieur, je crois que c'est beige, je crois. Voilà. Toolbox. Ouais, ça. Toolbox, ouais. Attelage, j'en veux pas. Donc, c'est un sac 17, 2009. Voilà. Parce que sinon. Voilà, mais bon. Voilà, on a acheté pas. Oula. Voilà, on a acheté pas mal de trucs. Voilà, on a acheté pas mal de trucs. Donc il nous reste 71 000. Pour la prochaine vidéo, il y aura le terrain acheté. Donc j'espère que c'est pas le terrain 94 000. On verra bien. Pardon. La moissonneuse, on va la garder. Lui, on va le garder. On verra bien. Combien on peut revendre le télescope? Parce que je pense que lui, je vais le vendre peut-être. 72 000. Le télescope que je vais prendre, il est pas là, il est ici. Ah oui, il vaut très cher. On verra bien. Donc moi sur ce, je vais vous laisser ici pour cette vidéo. Donc voilà, on va garder encore le petit classe pendant un petit moment. Ça, bah, c'est pas très cher en location, mais si on fait du travail au champ, il va beaucoup nous coûter. Là, il a fait quoi que du transport plus du déplacement de matos, c'est tout. Donc voilà. Donc sur ce, moi je vais essayer pour cette vidéo. Donc là voilà, on a le 4x4. Bon, il avait 0,5. Voilà, il est 0,0, c'est pas grave. Hein. Et on aura la future benne. Voilà. Donc moi je vais. Donc voilà. La prochaine fois, ben on achètera le bâtiment. Ben, on achètera la zone. On amènera à peu près la plupart du matériel. Et dites-moi dans les commentaires. Si j'ai pas de réponse dans les commentaires, j'aviserai moi-même. Donc sur ce, on va cesser là. Ça fait 3 fois que je vous dis. Sur cette vidéo, donc n'hésitez pas à liker, à partager ou à disliker ou à mettre un commentaire dans la vidéo, d'accord, dans une vidéo. N'hésitez pas aussi à vous abonner si c'est toujours pas fait. N'hésitez pas à suivre les liens, vous faire un don, ce que vous voulez. Moi j'en ai à foutre. Voilà, la prochaine fois, soit ça sera le tuto, soit ça sera l'épisode 17. Vous verrez bien la vidéo qui sortira. Moi, je vais essayer pour cette vidéo, je vais laisser le matos comme ça, je vais sauvegarder, et puis wali walou, hein, et puis la prochaine fois, on aura peut-être le Renault, on aura peut-être le truc. Alors, l'émission, je pense pas que je vais en faire, je verrai ce que ça nous rapporte, mais on verra bien. Donc voilà, moi, je vais retourner sur le bureau pour vous couper la capture. Donc, moi, je vais vous laisser là pour cette vidéo.
Et on se retrouvera très, le gars qui s'arrête jamais, très vite, d'accord, pour une autre vidéo. Allez, à plus!